monde. Écoutez, je recommence ma prise 2 de mon live que j'ai commencé puis qui s'est mal terminé parce que manque de batterie sur mon cellulaire. Puis j'ai toute une histoire avec mon fil de batterie, de rechargeur, fait que je suis dans mon auto. Donc, je voulais pas vous laisser en plan comme ça. Je reviens avec mon thème de cette vidéo live qui s'intitule Performer même en spiritualité. Et là, c'est prise 2, hein? Et ce que je mentionnais. Et pour ceux qui sont en ligne, bien, mentionnez-moi, faites-moi des coucou. Faites-moi des petits coucou pour me dire que vous êtes là, des petits cœurs. Moi, je ne vois pas de commentaires, je ne vous vois pas encore. Donc, je vous attends, je suis là, si vous voulez me manifester votre présence. Bref, je vais continuer. Bon, le but de ma petite vidéo, ben, c'était ça. Parce que moi, vous savez, j'enseigne au niveau spirituel aussi. J'enseigne le Reiki, je donne des soins de Reiki. Et ça fait un certain temps que je fais ça quand même. Hein? Puis, j'ai des groupes que j'accompagne. Et aussi, ben, des gens privés, tout seul. Et souvent, ce qui revient souvent. Les gens me disent, « Ouais, mais Sylvie, moi, je vois rien. Sylvie, j'entends rien. Sylvie, je ressens rien. Ah, puis moi, quand il y a des groupes, ben, je regarde la personne aux côtés, puis, ah, ben elle, là, elle ressent tout, puis elle voit tout. Elle est bien meilleure que moi. Puis, moi, ça fait pas assez longtemps que j'évolue. Ça fait pas longtemps, assez longtemps que je suis ouverte à ça. Puis, ça va-tu marcher pareil, moi? Ma formation de Reiki, puis tout ça. » Vous savez quoi? On n'a rien à foutre de ça. Non, moi, ce que je réponds à ça, je dis, qu'est-ce qui est important, c'est que vous soyez là. C'est que vous ayez l'ouverture pour le faire, et puis que regardez le chemin qui est accompli pour vous rendre où ce que vous êtes aujourd'hui. Parce que v'là un an, v'là 6 mois encore, peut-être v'là même pas un mois, tu sais, ben, peut-être vous pensiez même pas à prendre cette formation-là, cet atelier-là, ce cours-là. Peu importe ce que vous faites pour le développement, puis au niveau de vous ouvrir à plus de spiritualité pour votre vie. Puis on n'a rien à foutre aussi, parce que c'est l'ego qui veut ça aussi. L'ego, il veut tellement nous faire à croire qu'on n'est pas assez bon, puis qu'on veut se comparer, parce qu'à la minute qu'on tombe dans la comparaison, on tombe dans « je ne vois pas, je ne sens pas », mais là, on se diminue, puis en plus, surprise, on se juge. Puis on veut ouvrir à plus de spiritualité dans notre vie pour justement sortir de cette partie-là. Sortir de les jugements qu'on porte sur soi. Puis aussi d'arrêter de se comparer à cette foutue, de cette foutue méga pattern qu'on a de vie, de se dire je pense que c'est parfait ou je pense que c'est parfaite. Je pense qu'il m'en manque encore un petit peu pour m'y rendre. Je pense que je vais retourner chez nous. J'ai peut-être pas assez de peut-être mon ouverture spirituelle n'est pas assez grande. Hein? Pensez-vous que. Pensez-vous que votre guidance, Dieu, n'importe quoi, ce que vous croyez, ils sont en train de vous pousser dans le dos pour vous faire avancer, puis ils vous, c'est ça qu'ils pensent? Ben non, ben pas du tout. L'important, c'est que vous ayez, c'est l'intention que vous portez qui est importante. C'est avec quoi vous arrivez qui est important. Vous avez le désir de grandir, vous avez le désir d'évoluer, vous avez le désir d'apprendre. Puis c'est juste, vous êtes justement à la bonne place pour faire grandir votre intuition, faire grandir votre ressenti. Puis aussi, bien, si vous avez à voir, entendre, puis faire grandir toute cette partie-là au niveau du ressenti, puis au niveau de votre intuition, bien, ça va se faire. Mais ça ne se fait pas en tirant dessus, ça ne se fait pas en poussant dessus, ça ne se fait pas en « il faut que je fasse ça », hein, en serrant un point. Ça se fait de façon relaxe. Calme. Puis ça se fait aussi de façon à laisser la vie faire les choses. Parce que juste le fait d'être là, c'est déjà ça. Puis ceci, ce serait juste ça. D'accueillir ce qui est durant les formations, d'accueillir ce que vous vivez. Puis, si vous avez à vous ouvrir, si vous avez à apprendre, à acquérir d'autres choses de plus, bien ça va se faire. Et non, oui, ça va se faire. C'était ma petite capsule d'aujourd'hui.
pour vous partager ce que souvent je vis, moi, dans mes formations de Reiki que je donne aux gens que j'accompagne. Sur ce, ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là. Puis aussi, bien en terminant, ben, vous pouvez vous inscrire à ma séance découverte gratuite de 30 minutes. Tout à fait gratuit avec moi. Merci.